Bienvenue sur ma chaîne, donc c'est avec plaisir que je vous revois avec cette nouvelle vidéo. Donc on va vous montrer comment réaliser des jouets souples en hauteur, mais surtout comment les arracher, les outils dont vous avez besoin. Donc ne manquez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, donc se voir à bientôt et je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, ciao ciao. Voilà, donc on a déjà positionné les roues, donc ce sont des roues donc réglables en hauteur parce que il est très important de mettre son échafaudage donc à niveau. Là, je promets. Voilà. Donc je vous montre, donc c'est un clips, donc c'est tout simple, qui prend la position de la barre dès qu'il se met à l'intérieur. Donc on va mettre les quatre roues à la même hauteur avant de le mettre à niveau et ça s'emboîte tout simplement. Donc à l'intérieur. Voilà. 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 Alors on va. Voilà. Et des diagonales. Donc il faut mettre également des diagonales à chaque fois. Vous pouvez voir ici, non, on n'est pas cassé, qui s'ouvre en fait. Donc de façon qu'on puisse après monter d'un étage à l'autre pour notre sécurité. C'est toujours mieux de monter un échafaudage à deux, n'essayez jamais tout seul, ça serait très dangereux. Voilà, et ça s'emboîte. Voilà. À chaque fois, donc il y a également, donc je vous montre un emboîtement, donc qui est prévu. Donc, et pareil au-dessus, donc on va mettre deux diagonales, voire quatre de chaque côté, et à chaque fois un garde-corps. Une autre diagonale. Donc voilà, ici c'est. Donc ici c'est le frein. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc il suffit d'abaisser pour bien caler à chaque fois. Donc chaque roue. Voilà, vous pouvez voir que l'échafaudage n'est pas tout à fait droit par rapport à la verticale. Alors pour le régler, il faut jouer sur les roues en fait. Ici. Voilà, vous pouvez voir l'état des jouets, donc il y a des ouvertures partout, regardez.